Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici un petit best-of, les gars, de Solary. Ou tout simplement, ils disaient Solary Cocteau, est-ce qu'on le recrute, etc., etc. Avec des petites blagues. Et franchement, vous allez rigoler de ouf. Je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Objectif 3000 pouces bleus. À vous abonner à la chaîne. Il y en a plein qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que c'est votre team préféré. Perso, les potes, c'est Grizzly. Mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous souhaite un très bon visionnage. Vous allez voir, c'est très drôle. Et à la fin de la vidéo, il y a un petit best-of. J'aimerais bien voir un Solary Cocteau. Solary Cocteau? Je sais pas, un mec a dit ça dans le chat. En vrai, il est cool, Cocteau. Mais voilà, c'est vrai, frère! Incroyable! Oh. Ah, vous êtes pas chaud, on invite Cocteau là? Mais gros, je le connais pas, frère, pourquoi? Mais moi aussi, je le connais pas, t'es bizarre, fils de pute, va! Mais venez, on l'invite, venez, on l'invite. Pourquoi tu veux qu'on l'invite si on le connaît pas? Je sais pas, frère. Gros, je vais pas jouer avec quelqu'un que je connais pas, j'aime pas ça, tu moi. Casse les couilles, eh hey, les gars, vas-y, c'est bon, insultez là. Les gars, bon, on va pas inviter Cocteau, on le connaît pas, wesh! Putain, arrêtez de forcer! Je le connais pas, Cocteau. Il va pas venir faire un death run what the fuck avec lui quand même. Il va arriver, il va entendre des fils de pute à tout bas, il va être choqué le pauvre. Cocteau, embrasse-moi, Cocteau. Death run what the fuck avec Cocteau. Venez, les gars, clippez ça là. Clippez ce que Flamby vient de dire là et envoyez-le à Cocteau là. Ah, mais c'est chaud, dès Cocteau il arrive, on devient tous gays, on veut tous l'embrasser comme ça. Gros, ta gueule. T'es bizarre, Flamby, les gars, il est bizarre ou pas, Flamby? Qu'est-ce qu'il y a, wesh, wesh, wesh. Oh, Cocteau! Très bien, fou! Oh, Cocteau! Et là, si vous êtes trop bizarre! Dis-toi que j'en ai marre, frère, toute ma vie! On dit que je suis Kameto, frère! J'en ai marre de ma vie! C'est parce que. Ah oui, mais c'est parce que la dernière fois, tu me disais que t'essayais de recopier son rire! Mais vas-y, frère! Mais la vie de ma mère! J'aimerais trop recopier et tout! Ah, sauce god! Les gars, on ne va pas inviter Cocteau! C'est stop! Molaise là! Hey, franchement, vous me cassez les couilles avec Cocteau. Je le connais pas, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, là, là, tu serais avec Cocteau dans une pièce tout seul, tu ferais quoi là? Gros, je le connais pas, mais je ferais rien du tout. Que je ferais rien du tout. Il y a que toi et Cocteau comme ça là. Mais gros, Flamby, j'ai pas les. Je suis pas comme toi moi. Mais tu sais, en plus, Cocteau, il a... apparemment, il est chaud pour venir. Tu sais qu'apparemment, Cocteau, il a fait un vrai dégradé là. Hein. Ah ouais, ouais, vous rendez fou avec Cocteau, là, dégradé, comme JP, t'as vu, il a fait un sacré dégradé. Il a fait là... Vous avez vu la vidéo de JP là où il fait des courses dans l'eau, dans la piscine? Non, j'ai pas vu. Moi, je l'ai regardé, je l'ai regardé. Tu sais que c'est quoi que t'as vu, genre pour manœuvre là, comme ça, dans un death run, et que tu le trash talk comme ça? En vrai, si JP te propose de jouer, tu dis oui ou pas? Tu le rends fou, frère. Ah, JP, tu le rends vraiment fou. Ouais, moi j'ai le rends. Ouais, ouais, moi, tu le rends vraiment fou, frère. Hein. Vas-y, moi je suis chaud, mais bon, après, je le connais pas plus que ça, JP. Hein. Genre, tu dis comme ça, putain, ton level, Jean. Oh. Ouais, je me dis comme ça, je dis à JP, tu pues la merde là. Eh, on m'avait parlé de toi, mais vraiment, gros, mais t'es gros, ce qui me fume, vraiment, ce qui me fume, c'est quand il joue avec TK et que TK il est en spec sur lui. Et qu'il se met à lui hurler dessus, genre t'es lui met la pression. Oh, c'est incroyable. Après, il dit comme ça, pointeur. Ouais, putain. Attendez, mais Cocteau il est vraiment en live. C'est vrai, il est en live. Cocteau il nous regarde là ou pas? Ouais, Cocteau. Ouais, Cocteau. Cocteau, t'as un dégradé ou pas? Si t'as un dégradé, t'as le droit de venir. Les gars, je connais attends, pas! T'as cru que c'était ton stream à dire t'as le droit de venir là? C'est un baiser, wesh! Ouais. J'en fous, frère! Y'a des mecs dans le chat qui se n'importe quoi, ils disent Cocteau vient de dire en live qu'il aimerait bien la mettre à ça! C'est vrai ou pas, Cocteau? Je vais te casser la gueule, connard! Cocteau, je te provoque un duel IRL maintenant! Cocteau! Oh, je pleure de rire, putain de sa grand-mère! Aïe 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 aïe! Eh, il le prend mal ou pas? Il le prend mal le chat ou pas? Il le prend mal? Cocteau, moi ça me fumait. Il regardait Koh-Lanta, il est difficile. Ah oui, c'est vrai. Il mettait juste un cam en croix. En fait, il streamait lui en train de regarder, c'était trop drôle. Vas-y, ça fait 15 ans, j'ai pas réussi le premier truc, wesh. Cocteau a dit que Samo est con. Je lui casse la gueule. Eh, Cocteau, il a dit, il le prend pas mal, il le prend pas mal, il prend juste Samo. Oh lolololol. Il est vexé, vraiment? Non, 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 par contre, dites-nous qu'on est gentil, hein! Il est... Non, non, Cocteau, non, non, non! On rigole, hein! Eh, on rigole, hein, Cocteau là! Ah, vraiment là, on rigole! Coxem! Coxem, Coxem! On rigole même! Eh, c'est plus Cocteau! Y'en a qui l'a dit, c'est plus Cocteau, c'est Coxem! Oh! Cocksucker! Jambe de Cocteau! Cocteau, il a dit qu'il. Non, mais en vrai, les gars, dites-lui qu'il faut pas qu'il prenne mal, hein! Mais moi, je le connais juste pas, hein!
Je vais vider Cocteau. C'est un bon, non, dans c'est un bon. Il m'a permaban. Il m'avait host, en vrai, c'est un bon de ouf. Juste parce qu'il t'a host, c'est un bon. Ouais, gros. Mais Daron, c'est un vas-y, ta gueule, je me tue une patate dans mon écran. T'as entendu, Flavie? Cocteau se sent un peu vexé. Attends, y'a un mec qui l'a dit, Cocteau a dit qu'il se sent un peu vexé, mais vous êtes des abrutis. Oh là là. Mais wesh, mais on est trop, mais vas-y. Allez, allez. Bon, Cocteau, écoute-moi bien. Eh, on rigole, hein. Connard. Cocteau susceptible. Cocteau susceptible. Je vois Mister V là, la Cocteau susceptible. Non, en vrai, les gars, moi Cocteau, je connais pas et on rigole. On rigole, Cocteau, frère. Hein. Ta mère, putain. Vous savez que là, à cause de vous, je suis en embrouille avec Cocteau là. Eh, Cocteau. Eh, moi, je sais que je propose quoi, frère. Il pleure. Il a que de son live pour aller voir l'insta de la mère de Samo. Moi, je propose un prime time entre Cocteau et Twix. Et gros, on met un ring, un vrai ring. Et mais frère, bah ta mère, je le connais pas, frère. J'ai pas de me battre avec, j'aime pas la bagarre en plus. Mais Flambi, il est. Tu se vois, t'es frustré. Eh, Flambi, j'ai l'impression que t'es amoureux de Cocteau, frère. Qu'est-ce que tu veux, wesh? Il s'est jamais battu, c'est pour ça, il s'est jamais battu. Je pense que si je vois Cocteau, je l'embrasse. Ok, là, vas-y, faut que j'y arrive. Bah, si j'arrive pas, je quitte, toujours ça. Ah, dis-le ta mère. C'est qui a lancé le coup de c'est toi, frère. Mais oui, c'est toi en plus, c'est vas-y, putain, venez, on fait un autre. Attends. Non, j'ai quitté. Non, le regard qui tue, écoute-moi bien, frère. C'est quoi l'époque? Hein? C'est pour l'appart? Genre, j'aime pas ce qu'ils ont dit, en vrai, enfin, ils ont juste dit Cocteau, mec, Abraham, la vie de ma mère, hein. J'ai déjà dit que je rejoindrai jamais Solary. Mais pourquoi il vient, j'arrive sur son stream et il dit je rejoindrai jamais Solary? On a jamais dit que t'allais rejoindre Solary, connard. C'est un bâtard, parce que... Invité Cocteau. Arrêtez, putain. Mais vous savez, Cocteau, je le connais pas, mais je pense que c'est un bon, en vrai. Oui, il est gentil. Vas-y, viens, on en fait un autre. Plaisir ou pas plaisir, là? À ce qui paraît, manger son sperme, ça renforce les mailles dentaires. C'est pour ça que moi j'ai des belles dents. Bon, c'est vraiment ma brosse à dents pour me laver les dents, ça, par contre. Y'a zéro blague, hein. Du coup les potes, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez plu, honnêtement, j'ai rigolé de ouf quand j'ai fait le montage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous retrouve sur Twitch. Et puis comme d'habitude les gars, tous les jours à 10h, une vidéo YouTube, donc abonnez-vous, c'était Cocteau, ciao.